C'est Nina Chou et on se retrouve ce matin pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo de pancakes vegan. Donc tout d'abord, vous aurez besoin de sucre, de poudre de noisette, bon après c'est optionnel, hein, de farine semi-complète, de levure, de sirop d'érable qui se trouve ici, du lait végétal, donc ici c'est du lait de soja que j'ai utilisé, et de la vanille, de la muscade et de la cannelle. Donc tout d'abord, mélangez tous les ingrédients secs, donc c'est-à-dire la farine, la noisette, enfin, la poudre de noisette, le sucre, la levure, la cannelle, selon vos goûts, et la muscade selon vos goûts. Et mélangez. Donc, voilà, et mettre de côté. Donc voilà, bon, prendre tous les ingrédients humides, c'est-à-dire le lait, le sirop d'érable, ainsi que la farine, non, la vanille. Bon, mon lait il est un peu mousseux là, mais voilà. Donc hop, on met le sirop d'érable. Et un peu de vanille. Donc voilà, vous pouvez aussi rajouter de la fleur d'oranger selon vos goûts. Effectivement, vous êtes libre de mettre ce que vous avez à portée de main. Donc mélangez. Donc j'ai pris une petite baguette chinoise pour pouvoir bien mélanger tout ça. Que le mélange soit homogène. Pourquoi on va ajouter aux ingrédients secs les liquides. Donc reprendre les ingrédients secs. Voilà, faire un petit cuit et verser doucement les ingrédients humides, donc c'est-à-dire le lait et tout ce qui a été ajouté dedans. Hop. On va prendre petit à petit le lait. Mélanger jusqu'à ce que ça soit un peu plus homogène et que ça soit bien incorporé dedans. Voilà. Et ajouter le reste du lait. Hop. Très mousseux. Hop, hop, hop. On mélange. On va laisser reposer. Donc là, on voit que c'est bien liquide. Donc après le repos qui est de 5 minutes, le temps de faire chauffer une poêle, on verra si c'est encore liquide. Ok, donc voilà, 5 minutes après, la pâte elle est bien, elle est un peu épaissie, donc on va voir si elle est assez épaissie quand elle sera sur sur la poêle. Donc, hop. Donc ma poêle en même temps elle a chauffé, donc elle est super chaude. Hein. Je peux vérifier en jetant quelques gouttes dessus pour voir si c'est assez chaud, mais attention à ce que la plaque ne soit pas trop chaude. Hein. Donc voilà, hop. Je prends une petite louche. Hop.
et je la pose doucement. Hop. Vous regardez avec une. On va les laisser reposer entre comme une petite crêpe. Hein. Donc 2 à 3 minutes de chaque côté. Donc on peut apercevoir que la pancakes, cette chose fait des petits trous. Donc dès qu'il y en aura suffisamment, vous pourrez retourner la pancakes. Bon, après, si vous sentez une petite odeur de brûlé ou de cramé, vous pouvez retourner, hein, ça ne changera rien. Mais le mieux, c'est d'attendre que le pancakes fasse des petits trous dans la pâte. Comme ça, vous pouvez la retourner sereinement. Hop, et voilà, très joli. Voilà, donc là on peut pas voir que ça fait des petits trous, mais en tout cas on voit que la vapeur, enfin la chaleur, elle s'en va par les petits trous. Et donc attendre 2 à 3 minutes pour que ça soit bon. Et donc effectivement notre pâte elle est bonne, donc on peut continuer à faire une bonne tournée. Ok, donc voilà, comme vous avez pu voir, Jusha est venu voler les pancakes que j'avais commencé. Mais c'est pas grave, il en a jugé que c'était très bon. Hein. Vous avez vu plusieurs fois son pouce en haut, pas en bas, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, les pancakes ressemblent à ça, ils sont épais, voilà. Vous pouvez ajouter n'importe quoi dessus, tant que ça se mange bien sûr. Donc voilà, donc tous les ingrédients et les quantités à mettre pour faire la recette sera dans la description. Donc voilà, donc on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, surtout dites-moi hein, ce que vous en pensez. Likez. Hein. et ben voilà, c'était tout pour moi. Et bon appétit à vous.